Es-tu prêt? Il revient? Bien oui, il s'agit du Christ, du retour du Christ. Et qui en parle? Eh bien, il s'appelle Florian Boucanseau. C'est un auteur français qui est né le 15 février 1981, qui a rencontré personnellement Jésus-Christ en 2013. Il était footballeur et sa vie en a été complètement bouleversée. Depuis, il s'est converti à la foi catholique et il parcourt la France pour témoigner des fruits de cette rencontre extraordinaire qu'il a eue avec le Christ. Es-tu prêt? Il revient. C'est son premier ouvrage. Et il est vraiment exceptionnel et il est vraiment pour notre temps, pour les temps que nous vivons. J'ai eu un contact personnel avec lui et c'est avec son accord que je vous invite à lire son livre en version PDF numérique en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Vous pouvez vous rendre sur son site. Vous verrez qu'il est possible également d'acheter le livre. Moi, je vais l'acheter. Rien qu'en le parcourant, je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai pu noter que le père Raymond Jacquard a préfacé son livre. L'histoire de sa rencontre avec Jésus-Christ est exceptionnelle. Vous la découvrirez d'ailleurs vous-même en parcourant son écrit. Vous découvrirez aussi de belles pages sur le mystère de l'Apocalypse, de l'avertissement de l'Antéchrist, de la passion de l'Église, du retour du Christ. Et vous verrez aussi qu'en évoquant le règne de l'Esprit, eh bien, vous pourrez vous apercevoir que Florian n'est pas du tout millénariste, bien au contraire. Pour lui, la première certitude est que le Christ ne reviendra pas avant que l'Antéchrist ne se soit manifesté et que celui-ci ait séduit toutes les nations. Il explique que la domination politique de ce personnage diabolique sera brève mais terrible. Elle sera aussi le marqueur incontestable de la toute prochaine venue de Jésus. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. L'ensemble des docteurs et des pères de l'Église affirmaient aussi de façon formelle que l'Antéchrist sera un être humain. Jésus l'a confirmé à maintes reprises au cours de plusieurs révélations privées, notamment à Maria Valtorta. Le Christ disait: Lucifer s'efforce d'imiter Dieu, dans le mal naturellement. Il assume, pour ainsi dire, les modes de vie et de cour qu'eut le Fils de Dieu. Le démon se pose en Christ. Comme lui, il a des apôtres et des disciples. Parmi eux, il choisira le parfait pour en faire l'Antéchrist. L'impie sera conduit au sépulcre. C'est normal. Lucifer peut apporter tous les secours à ses élus, à ses fidèles, à ses esclaves, mais non l'immunité à la mort. Car moi seul suis la vie et moi seul ai vaincu la mort. Voilà les paroles du Christ. Avant l'apparition de l'Antéchrist, l'avertissement ou l'illumination des consciences nous aidera à nous amender et à commettre moins de péchés contre Dieu. Alors Florian nous rappelle les paroles de Conchita à Garamandal. L'avertissement sera quelque chose que nous verrons d'abord dans les airs, partout dans le monde, et sera immédiatement transmis à l'intérieur de nos âmes. Il sera de courte durée, mais semblera très long à cause de son puissant effet en nous. Et ce sera pour le bien de nos âmes, afin que nous puissions voir nos consciences, le bien que nous avons négligé de faire et le mal que nous avons fait. Puis, nous sentirons un grand amour pour nos parents célestes et nous demanderons pardon pour toutes nos offenses. L'avertissement est pour tout le monde, car Dieu veut notre salut. L'avertissement aura pour effet de nous rapprocher de lui et d'augmenter notre foi. L'avertissement est très redoutable,
mille fois pire que les tremblements de terre, on verra que l'avertissement nous arrive à cause de nos péchés, nous ne nous figurons pas à quel point nous offensons le Seigneur. Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas notre chair, mais nous le ressentirons corporellement et intérieurement. Toutes les nations et toutes les personnes le ressentiront de même. Aucun n'y échappera. Et les incroyants eux-mêmes éprouveront la crainte de Dieu. Florian, notre cher frère en Christ, évoque également le miracle. Cet extraordinaire miracle sera donné par le ciel moins d'un an après l'avertissement. Il aura lieu à Garabandal, un jeudi soir de mars, avril ou mai, un jour de fête d'un martyr de l'Eucharistie. Cette journée sera aussi l'occasion d'un événement rare et heureux pour l'Église. Ce sera comme un dogme, précisa Conchita, la voyante de Garabandal. Après le miracle, un signe visible restera à Garabandal jusqu'à la fin des temps. Quant au châtiment, Florian rappelle la description effroyable que firent les jeunes filles à Garabandal. Il explique que c'est similaire à plusieurs passages de l'Écriture et à ce qui sera de nouveau réaffirmé quelques années plus tard par la Sainte Vierge elle-même à Akita. Et ça, c'est approuvé par l'Église catholique. Oh, c'était horrible! Nous étions frappés d'épouvante. Je ne trouve pas de parole pour décrire ce que nous voyons. Nous voyons par exemple des rivières qui se changeaient en sang. Le feu tombait du ciel et quelque chose de bien plus effrayant que je ne peux encore dévoiler. La Vierge demande que tout ce qu'on fait se communie. Florian cite aussi la Vierge Marie à Sainte Faustine. Alors, c'est tiré de son petit journal, citation du 25 mars 1936. J'ai donné au monde le Sauveur, et toi tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue. Il ne viendra pas comme Sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, qu'il sera terrible ce jour! Il a été établi le jour de la justice, le jour de la colère de Dieu, devant qui les anges tremblent. Frères et sœurs, Florian, ce cher frère en Christ, a consacré plusieurs mois de sa vie à l'écriture de cet ouvrage. Qu'il en soit béni pour un si merveilleux travail de recherche. Dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai vraiment pu constater la qualité de sa recherche. Sa conviction, comme la mienne, est que le retour glorieux du Christ est vraiment imminent. Chers frères et sœurs, je vous laisse découvrir ce livre merveilleux qui peut vraiment beaucoup vous aider à vous préparer spirituellement à bien vivre l'avertissement, encore appelé l'illumination de la conscience. Je vous souhaite que pour vous, ce soit une illumination de la conscience et non un avertissement. Parce qu'un avertissement est beaucoup plus sévère. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le lien sous cette vidéo afin d'avoir un accès direct au PDF numérique de son livre. Soyez mille fois bénis, priez pour notre frère Florian à qui Jésus a donc confié vraiment une très très belle mission. Loué soit Jésus. Amen.